Ouais, ouais, pour remonter par l'ensemble, ouais. Non, y a pas d'enquête. Ouais, ouais, faut pas beaucoup, faut un quart d'heure de plus, quoi. Bon, on m'entend pas casser le dos, mais bon. On est sorti du chantier, c'était 8h30 et on va descendre du côté de Bordeaux. Il y a du monde de quelle petite route là qui est en bouche pour aller à Bordeaux le matin. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention à Pitfire pour Dandy qui t'appelle, Dandy 33 qui t'appelle. Attention, 51 à la station, j'ai pas tout Roger. Ouais, 73-51 à toi, là je suis du côté de Saint-Louis de Montferrand. Là je me dirige vers Bassens. Voilà, je viens d'arriver sur Bassens, là je suis en direction de Bordeaux. Enfin Bordeaux, là je sors du pont en gros là, hachi. Vas-y, si tu me reçois, descends de 2 kilos. Ça marche. Voilà, je suis là. Ouais, je te disais, là je suis sur les quais de Bassens. Ok, d'accord, et ben moi j'en sors. Voilà, j'ai débauché là tout à l'heure là à 6h. Et maintenant je rentre chez moi et puis ce soir ben, je m'en vais ailleurs. Ah, ok pour ça, mais écoute, repose-toi bien et puis moi ben mangeaille. Hein. Ah chi. Bon encore vu l'heure, ça va, ça, pour passer pour l'Aquitaine, ça devrait le faire tout seul. Là, par contre, là, il y a bien prochainement, là, il va falloir que j'aille sur Mérignac. Je crois que je dois embaucher, je sais plus, à 10h. Aïe. Là, par contre, ça craint. Je sais pas à quelle heure je vais partir. Avec le pont d'Aquitaine, ça promet de pas être triste. Ok. J'ai pas tout rangé, mais bon, c'est pas grave. Ok, peut-être que tu étais trompé de sens, que tu l'as dirigé vers l'intérieur de la voiture et non pas vers l'extérieur, hachis trois coups. Ah d'accord. Excellent.
ta canne à pêche, tu l'as bien mis dehors, tu l'as pas laissé coincé dans la voiture. Ah, Kenji, je te reçois tout écrasé. Attends, hey, mon QRZ, c'est pas Kenji, c'est Dandy, comme Crocodile Dandy, pareil. Ciao, bye bye, à plus. Ah, ok, d'accord. Et la bonne journée à toi, à plus. J'ai pas compris dans quel langue c'était, moi. Attention, il a ouvert pour Dandy 33 qui t'appelle. Est-ce que ça passe mieux là maintenant? Ah ben quand même. Ben, attention, près 51, la station de Spitfire, tu passes très très fort dans l'OTX. Spitfire, ouais, c'est à nouveau moi, Dandy 33. Je passe trop fort, c'est ça? Ok. Voilà. Oui, c'est à nouveau moi. Là, ça doit passer moins fort, là, quand même. Ouais, c'est à nouveau moi, les 73, à nouveau, de Dandy 33. Ah, si, ok, ton QRZ, c'est MP33, c'est ça? Non, Dandy, comme Crocodile Dandy, pareil. Sauf que, bah, tu mets pas de croco, tu mets 33 à la place. J'ai de l'écho là dans mon TX. Ah oui, il sonne creux ton TX. Ouais, je te disais, c'est Dandy 33, comme Crocodile Dandy, pareil, Dandy 33. Ok pour ça, tu passes très très fort dans mon TX toujours. Hein. Ah bah quand même. Ah si, ouais, t'as un gros signal et je t'entends très très fort. Pas de soucis, tu passes 5 sur 5. Ok, est-ce que là maintenant c'est moins fort? Là je suis pile à 4 watts. Là. Ok, bah écoute, mon cœur, je descends le pont d'Aquitaine. D'accord, ok, bah là je suis au feu là, en haut de la côte de la GT. Hein. Ah ok, y'a pas de souci. Voilà, donc là je suis vraiment pas loin. Et là oui, là au niveau puissance, là ouais, je suis vraiment là au plus bas là, du poste, là je suis à 4 watts. Hein. Oh là on est voisins là, s'il y a un vol d'oiseau à 1,5 km, c'est un maximum. Hein. Et encore, ouais, 1 km, 1,5 km, hein. Là on est vraiment voisins. Hein. Ok,
ok pour ça, mais c'est-à-dire que moi je prends la bretelle pour entrer à Bordeaux-Centre par des expositions, voilà. Ouais, bon là ça fait 2 km. Ouais, à vol d'oiseau, hein, et encore à condition que l'oiseau navigue pas à droite à gauche, aille en ligne droite, hachi. Ouais, il doit y avoir 2 km. Hein. Ouais, en gros, ouais, à la louche. Bah, hachi pour ça. Mais là, je suis en train de me poser la question si je n'aurais pas une canne à pêche de 2 mètres. Là, j'ai une canne à pêche de 1,45 et c'est moyen quoi. Mais j'ai un petit X, hein, j'ai un petit président 40 canaux. J'ai acheté 5 euros et une brocante, Hachi. Eh ben, il marche du feu de Dieu, parce que là, ça passe fort, moi, dans la voiture. Hein. Ah oui, il marche bien. Hein. Moi, le poste, c'est un CRT 7009. Bon, c'est pas du tout la même catégorie, hein, parce que celui-ci, là, j'ai tous les modes, c'est-à-dire AM, FM, USB, LSB, pour faire de la longue distance, avec beaucoup plus de puissance. Bah, pourquoi ça vaudrait pas le coup? Si, à condition qu'il soit débridé, hein, évidemment. Si sur cette partie des 40 canaux, il n'y a effectivement pas grand monde, ou plutôt, si, il y a du monde, mais les gens restent sur leur canal habituel. Là, comme là tout à l'heure, j'étais en train d'écouter, justement, j'étais sur le canal 16. Dès que tu montes là sur le canal supérieur, là tu trouves davantage de monde. Et ils sont tous dans le mode USB. Wow, tu m'entends plus, hein. Ah, on dirait que tu m'as perdu là. Bon, ben, en tout cas, si toi t'arrives encore à m'entendre, la bonne journée à toi, à la prochaine.
Non, c'est pas bon. Eh bien, je viens juste de les croiser et... Voilà, je les perds déjà. Hein. Comme quoi, il y en a qui ont vraiment des installations pourries. Ouais. Ce genre d'installation, l'antenne doit être calée derrière la cabine et forcément là c'est vraiment pas terrible.